La suite, ça a coupé, désolé, j'ai eu un petit bug. Donc c'est la suite que je vous montre comment on fait pour laver la tortue en fait, une fois qu'elle a fini de ses besoins. Voilà. C'est la suite numéro 2. La première vidéo là que j'ai fait, elle a eu un petit bug, hein, désolé, j'ai eu un email, ça a coupé. Donc attendez, je vais essayer. Comment je pourrais vous montrer? Attendez voir. Je vais essayer de vous montrer à peu près comment je pourrais vous montrer. C'est pas évident hein, de tenir le téléphone. Faire comme ça à peu près. Je sais pas si ça va tenir. J'ai pas envie de faire tomber mon téléphone. C'est un peu délicat. Je vais voir, attendez. Ah, c'est un peu délicat, mais vraiment délicat. Alors, attendez. Faut toucher un peu l'eau chaude. Voilà, le cul. Voilà. Quand c'est trop chaud, hop, on passe un peu à l'eau froide, entre l'eau froide et humide, tiède. Parce que là, j'arrive pas à tenir le téléphone. Je vais vous montrer. Donc, quelque part, ça lui fait du bien. Voilà. Par exemple, là, comme là, il y a un peu trop d'eau. Hop, vous la tenez. Vous enlevez le bouchon. Voilà. En plus, ça, comme à la froid, les tortues ont la carapace vraiment glacée. Donc, si vous lui mettez de l'eau tiède, pas trop chaud hein, sinon vous allez la brûler, juste pour qu'elle se elle retrouve un peu la température de son corps comme en été. C'est pas évident. Comment je pourrais tenir le téléphone? Alors, attendez. Où je trouve un moyen de trouver une position pour vous montrer comment on la lave. Alors, attendez, pas de ce côté. Attendez, on va voir si j'arrive à vous montrer. Parce que c'est pas évident, je vous le dis, c'est pas très 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 évident. Donc, à peu près comme ça, cette hauteur. Non, il faut que je trouve une position bien 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 pour vous montrer un peu en l'air, comme ça je vous montre. Je sais pas si ça va passer hein. Sinon je referai vidéo. Je sais pas si on voit bien à peu près à cette hauteur. Alors de savon. Sais pas si vous arrivez à voir hein. Franchement j'ai aucune idée si vous arrivez à voir quelque chose pour vous montrer. Là je suis en train de la savonner avec le savon que je vous ai montré tout à l'heure.
les pattes. Et faire doucement parce qu'elle a des petits genoux là. Faire attention. Pour pas qu'elle soit trop affolée parce qu'elle a le cœur, je crois, dans cette partie-là. Donc il faut pas trop l'affoler. On passe dessous sa peau. Par contre, je ne passerai pas avec mes mains de savon sur sa tête. J'attendrai d'avoir les mains bien lavées du savon pour nettoyer sa tête. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si je le fais maintenant, ça va trop mousser et ça va y rentrer dans les yeux et c'est pas bon. Passe son petit cul là. Une fois que je vais bien me laver les mains. Je vais me laver les mains. Pour les mains, il n'y a plus de savon. Lavez-vous bien les mains à l'eau chaude. Plutôt tiède hein, parce qu'il y a la tortue dans le lavabo, sinon vous allez la brûler. Une fois qu'elle est tiède l'eau, vous sentez qu'elle est bonne, vous la rincez comme ceci. Les pattes. Et la tête, comme je vous ai dit, avec l'eau chaude. Si vous le voyez, voilà. Ensuite je vais mettre de l'eau chaude là, soit de l'eau chaude, de l'eau tiède. On va laisser comme ça. Voilà, elle est propre. Ensuite. Généralement, quand vous avez fini de la laver, généralement avec l'eau tiède, elle fait toujours un petit pipi d'en haut, comme les chutes du Niagara, parce que l'eau tiède ou froide, ça lui donne toujours envie de faire pipi. Voilà. Une fois que vous l'avez lavé, vous allez prendre la serviette, vous allez l'écarter sur la machine à laver. Je vais récupérer le téléphone.